Salut à tout le monde, bonsoir et bienvenue hein, chez Martin Tajou officiel. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Partagez le live, j'espère que vous vous portez bien. Bon début de week-end à tout le monde hein. Déjà en passant, nous sommes vendredi si je ne me trompe pas. Parce que parfois quand on travaille, on oublie même l'aspect du temps. Salut Vanillola, salut Kelly Bill, salut Gertruana, Colin, salut Amand, salut également à Amand, salut à Aziz, salut à Maurice Fautur, salut à Bonaventure, salut à tous ceux qui se connectent, bonsoir à Boubaka, bonsoir Wako. Là, j'ai oublié sans titrer. Un instant, vous partagez rapidement là. J'essaie de mettre le titre. Tellement j'étais... Parce que je suis arrivé très tard à la maison, j'ai oublié sans mettre le titre. Alors, un instant, je vais titrer la vidéo rapidement là. Merci. Merci, partagez au max. Partagez les gars. Merci, je salue Wako, je salue Mika, je salue également Antoinette Mamie, je vous salue, hein. Je salue tous ceux qui se connectent. Merci à tous ceux qui partagent, merci. Salut Mafo, salut Lynn, je vous ai dit que je n'appelle pas vos noms, j'appelle juste vos prénoms. Dès que la musique s'y va finir, nous allons lancer. Je vous rappelle que je venais de titrer. C'est la lecture du discours du professeur Maurice Kamto, président élu et donc légitime du peuple camerounais. Parce qu'on n'a pas besoin de la passation du pouvoir de gré à gré. Il faut bien véhiculer son message. Je salue Mary, je salue également Pascal, je salue Blaise, je salue Thierry, je salue Nadia.
Je salue aussi Teta. Je salue Michel. Vous vous reconnaissez quand je lis votre prénom. Je salue Cameroun. Je salue également Viviane. Voilà. Je salue Thierry. Je salue Chams. Je salue également Elon. Oui. Va mal, va mal. Le pays va mal. Oui, vous partagez rien. Salut, partagez au max. J'arrête la musique des Tsikenja et nous allons lancer avec les vraies choses. En tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, tous les Camerounais, ceux du Cameroun et ceux de la diaspora, bonsoir ou bonjour, d'après votre position géographique, et bienvenue chez Matin Tajo officiel. Bienvenue parce que j'ai décidé de consacrer ce live à la lecture du discours du professeur Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais au soir du 7 octobre 2018. Ce professeur qui est aujourd'hui martyrisé, ce professeur qui est aujourd'hui ostracisé, ce professeur qui croupit dans les geôles, dans un camp de concentration de Biapol, Barthélemy Vondor, Machiavel, le représentant de Judas sur la planète Terre, qui veut passer le pouvoir par des décrets à son ayant droit, Ferdinand Gongo, qui veut également gouverner les Camerounais par procuration, ce qui ne pourra donc pas avoir lieu. Mesdames et messieurs, chers camarades, étant donné que la plupart d'entre nous ont essayé de survoler le discours sans l'avoir lu, nous allons le lire tous ensemble ce soir. Voilà pourquoi je suis ici. Nous avons exactement 35 à 40 minutes à passer ensemble dans ce monologue. Voilà. Je vais vous lire donc ce discours. Lettre à mes compatriotes, femmes et hommes au Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Le 7 octobre dernier, vous avez exprimé courageusement le choix de l'avenir et de la modernité en portant majoritairement vos suffrages sur ma personne. En attendant les jours bénis où mes alliés et moi-même viendrons à votre rencontre pour vous témoigner notre reconnaissance infinie, je voudrais dès à présent, vu les circonstances, vous exprimez ma très profonde gratitude pour l'honneur et le privilège qui me furent ainsi faits. Je vous l'avais dit, ensemble c'est possible. Mais, comme vous le savez, votre choix n'a pas été respecté par les tenants du pouvoir et les institutions à leur solde. En sorte que cet événement qui est assurément l'un des plus marquants de notre histoire politique récente, a accouché d'une crise post-électorale. Celle-ci a conduit dans un déchaînement de haine précédent à l'arrestation et la détention illégale, autant pour moi, de près de 200 militants et sympathisants de notre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. De Camerounais sans parti, des Camerounais sans engagement politique, des leaders d'organisations alliées et moi-même. Voici donc plus de 3 mois que nous sommes emprisonnés illégalement pour avoir manifesté de manière absolument pacifique pour dénoncer le refus par le gouvernement de faire la paix dans les régions anglophones, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
le non-respect du choix de la majorité des élections des électeurs, autant pour moi, camerounais, lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Et l'inaction du pouvoir face au pillage de la fortune publique dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique, la CAN 2019, dont l'organisation a finalement été retirée au Cameroun au grand déshonneur national. Depuis notre arrestation et notre emprisonnement, vous avez fait témoignage d'une solidarité exceptionnelle et exemplaire. Vous êtes venus nombreux nous rendre visite à nos divers lieux de détention préventive et d'emprisonnement. Lorsqu'à force de persévérance, l'autorisation vous a été accordée, vous vous êtes rendu massivement aux rares audiences devant les tribunaux de Yaoundé pour nous encourager de vos gestes, vos sourires, vos chants courageux, audacieux. Même si à chaque fois, des rideaux d'hommes armés et en posture de combat vous ont maintenu fort éloigné de notre itinéraire, je vous ai aperçu à chacun de vos passages et croyez-moi, j'en ai été ému. Face à la situation sécuritaire et humanitaire, politique, économique et sociale explosive dans laquelle M. Biapol a plongé notre pays, la communauté internationale vient de tirer la sonnette d'alarme en invitant le pouvoir à respecter les droits fondamentaux des Camerounais, à libérer les otages que constituent les quelque 200 personnes arrêtées et jetées en prison, et à organiser un dialogue inclusif pour régler en particulier la crise meurtrière qui sévit dans les régions anglophones. De même, la communauté internationale a indiqué l'impérieuse nécessité de réformes consensuelles du système électoral avant la tenue de toute nouvelle élection au Cameroun. J'espère, j'apprécie à sa juste valeur cette prise de position qui rejoint à plusieurs points les revendications formulées depuis quelques années déjà par le MRC. En effet, nul n'ignore nos positions et propositions réitérées au sujet de la crise dans les régions anglophones. Nous sommes opposés depuis toujours à toute idée de sécession. J'ai donné le meilleur de moi-même pour récupérer des parties du territoire camerounais dans le lac Tchad et dans la péninsule de Bakassi pour m'accommoder d'une telle perspective funeste. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, mais une fois que l'on convient que la sécession n'est pas une option, nous avons rappelé dès le lancement de notre parti en 2012 qu'il y a un problème anglophone au Cameroun et qu'il doit être résolu par le dialogue. Rien que le dialogue et que le dialogue. J'ai réitéré cette position le 25 juin 2016 lors de mon meeting à Bamenda, puis le 10 décembre 2016 à mon meeting de Gaoundéré. Et plus récemment, en novembre 2018, face à l'escalade dans cette crise qui s'est transformée en un conflit armé très meurtrier et dans le cadre duquel sont commises de nombreuses atrocités, j'ai proposé une solution articulée comme suit. C'est le professeur Maurice Kamto qui le dit. Négociation d'un cessez-le-feu, désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants, mise sur pied d'une commission vérité, justice et réconciliation. Organisation d'un dialogue national inclusif pour discuter sans tabou et dégager les solutions idoines à la crise et la refondation de l'État, de notre État du Cameroun. Mes chers compatriotes, ces propositions se sont toujours heurtées au mutisme du pouvoir en place qui préfère s'enfermer dans l'option d'une solution militaire qui, hélas, ne fait qu'alimenter l'escalade. Pas des raccourcis hasardeux. On compare la situation
des anglophones du Cameroun à celle de la Catalogne en Espagne. Quand on ne rappelle pas la guerre contre les projets de sécession aux États-Unis ou en Irlande du Nord, il suffit de rappeler qu'en Espagne, la Catalogne bénéficie, comme d'autres régions espagnoles, d'un statut autonomique équivalent au fédéralisme. Or, les régions anglophones, pas plus qu'une autre, ne jouissent de la moindre autonomie et le pouvoir camerounais, adepte d'un centralisme d'un autre âge, est allé jusqu'à interdire l'usage du mot fédéralisme dans les médias. Quant aux guerres contre la sécession, mesdames et messieurs, ni la majorité des Camerounais, ni la communauté internationale ne sont favorables à la partition du pays. Les représentants du pouvoir en place font des amalgames et agitent ces exemples pour créer la confusion totale et refuser le dialogue au niveau du Cameroun. Et dans la sphère politique, là je l'augmente, mesdames et messieurs, chers camarades. Un autre argument spécieux est de dire qu'il n'y a personne en face avec qui négocier. Il n'y a pas lieu d'élaborer longuement sur ce point, pas du tout. Que l'on donne une chance à la All Anglophone Conference, en abrégé AAC, que le cardinal Christian Toumi et d'autres essaient d'organiser depuis un certain temps et se heurte malheureusement à l'opposition du gouvernement camerounais. Cette initiative pourrait être une pierre utile à la construction du dialogue inclusif auquel la situation du pays nous invite tous. En ce qui concerne l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, les partisans du régime prétendent qu'après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, il n'y a plus lieu de les contester. Selon eux, nous devons nous soumettre à ce verdict. Ils oublient trop vite, et je les comprends, hein, qu'il s'agit d'un verdict erroné rendu par une institution à la fois illégale et illégitime, en ce que sa composition viole manifestement les tests qui l'organisent et le régissent. Mesdames et messieurs, nous avons démontré sans conteste que 10 des 11 membres du Conseil constitutionnel sont membres du RDPC, le parti de M. Biapol Barthélemy Bondo, dont ils font par ailleurs partie des instances dirigeantes. Le 11e membre étant du SDF, plusieurs d'entre eux occupent d'autres fonctions incompatibles avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel. Sur cette base, nous avions fait un recours en récusation et en suspicion légitime, mais nous nous étions heurtés au rejet du Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent 400 repartagés ce live. Nous continuons à suivre le discours du professeur Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais. Quant à l'argument selon lequel nous n'aurions pas gagné l'élection parce que nous n'aurions pas assez de procès verbaux, écoutez, des résultats issus des bureaux de vote et que de toute façon, nous les avions jamais présentés au public, il est simplement spécieux. Je réitère que nous sommes prêts à présenter nos PV à tout moment dans le cadre d'un recomptage des votes. Au demeurant, le RDPC lui-même n'a jamais présenté ses PV. Les PV prouvant la victoire de M. Bien, ni au Conseil constitutionnel, ni en aucun autre lieu. Nous avons démontré à suffisance devant l'audit Conseil constitutionnel sur la base des prétendus PV de l'ECAM que seuls, ou qui font seule foi, toutes les irrégularités qui entachaient les résultats consolidés par la Commission nationale de recensement des votes. Je rappelle que le total des résultats des 8 candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre en valeur relative était supérieur à 100%. Moi-même, je suis d'accord. Nous sommes tous d'accord, chers Camerounais.
que nous reproche-t-on donc? De contester les résultats faussés à tous les niveaux et qui ne reflétaient pas les PV sortis des bureaux de vote et de montrer qu'ils étaient le produit des tableaux Excel générés par des informaticiens à la solde du régime? Quoi donc? Non. Je ne vais pas m'excuser d'avoir gagné les élections présidentielles du 7 octobre 2018 et de dénoncer le détournement du choix démocratique de la majorité des électeurs camerounais en ma faveur. Ça, c'est le professeur Maurice Kamto. Pour le reste, je n'ai jamais cessé de dire ma disponibilité au dialogue. On a fait courir le bruit que j'aurais été approché par les tenants du pouvoir. Je voudrais vous dire ici solennellement, à haute et intelligible voix, que cela est faux. Archi faux. Ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai jamais été approché par qui que ce soit en dépit de ma main tendue. En transformant la crise post-électorale née d'un détournement inacceptable du choix démocratique des électeurs camerounais lors de la dernière présidentielle en une traque policière sauvage, une répression judiciaire grotesque et un règlement de compte administratif brutal et cynique, le régime de M. Biya croit pouvoir ainsi se débarrasser à trop bon compte d'un problème épineux qui projette une lumière crue sur l'impossibilité de la démocratie au Cameroun dans les conditions actuelles. Ce régime croit que la prison doit ou que la prison peut tout régler. Or, même la mort ne peut pas tout régler. On n'enferme pas l'esprit, on n'enferme pas une cause. Celle-ci se nourrit, autant pour moi, de la prise de conscience des gens. Croit indépendamment de l'esprit qu'il a identifié et poursuit d'elle-même son chemin jusqu'à son accomplissement. En même temps que je vous exhorte à faire grandir la cause de notre lutte commune, je voudrais vous rassurer de ma détermination à mener le combat pour la liberté et la démocratie, la restauration de la dignité des Camerounais, le développement inclusif et le prestige de notre pays. Mesdames et messieurs, chers camarades, on poursuit. Depuis notre arrestation et notre emprisonnement, notre parti, le MRC, qui a toujours été combattu par l'administration territoriale depuis sa naissance, est confronté à de nouvelles épreuves et qui menacent son exercice même. Cible d'attaque et de haine tribale et de haine tribaliste orchestrée par le régime de Paul Biya. Si fait, il fait autant pour moi désormais l'objet d'une interdiction de fait. En effet, le ministre de l'administration territoriale a interdit formellement et informellement toutes les activités à travers le pays, notamment les réunions, les manifestations publiques dûment déclarées conformément à la loi, les travaux d'intérêt général au bénéfice, autant pour moi, des populations telles que le courage des caniveaux et le nettoyage de la broussaille dans les quartiers initiés par les militants. Les inscriptions massives de nouveaux adhérents au siège national et au siège locaux du parti, la création et l'installation des nouvelles unités du parti dans diverses localités. Tous les recours intentés devant les juridictions compétentes au fin de l'annulation de l'acte d'irrégularité ou de l'acte irrégulier d'interdiction du ministre au sujet ou ont reçu le rejet, autant pour moi, aux motifs qui sont sans objet, alors même que sur la forme, l'audit ministre est incompétent pour prendre un tel acte, celui-ci relevant de la compétence des sous-préfets, et que sur le fond, l'acte contesté viole manifestement la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990, fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Mais je puis vous assurer que le MRC
ne se laissera pas prendre en otage par un régime enragé du fait de l'exposition aux yeux du monde entier de cette turpitude qu'il avait si bien su camoufler jusque-là. Qu'il soit entendu une fois pour toutes que nous ne laisserons pas, enfin nous ne nous laisserons pas écraser par la dictature villageoise instaurée dans le pays. D'ores et déjà, mesdames et messieurs, en raison de cette interdiction, de fait qui frappe notre parti, mais aussi du sang qui continue de couler inutilement dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, en dépit des cris de détresse des populations civiles et des appels unanimes au dialogue, j'annonce que le MRC ne prendra pas part à la mise en scène du 20 mai 2019. Cette date à laquelle on est censé commémorer la fête de l'unité de notre pays tend à perdre, dans le contexte actuel, sa forme symbolique. En 37 ans, le régime sans partage, en 37 ans de régime sans partage, autant pour moi, excusez-moi pour le lapsus, M. Biya a malheureusement réussi la prouesse de la rendre vide de sens politique, en raison de son instrumentalisation permanente des différentes culturelles, des différences culturelles, par un tribalisme d'État assumé et l'exclusion des populations de la gestion de leur destin. Son régime a déconstruit une jeune nation en formation dont les jalons furent jetés dans les conditions difficiles par Amadou Ahidjo, et l'a réduite en une juxtaposition d'ethnies dont je conjurais l'augure il y a plusieurs années déjà. Comme jamais, notre pays est aujourd'hui divisé par les murs des replis identitaires emprisonnés, d'ailleurs même empoisonnés, ça passait, par des haines ethniques tenaces et menacées d'implosion. Mesdames et messieurs, chers camarades, la partie septentrionale contraste du reste du pays par un état de pauvreté abjecte et entretenu par le régime avec la complicité d'une élite féodale et est meurtrie dans sa région extrême par la guerre de la secte islamiste Boko Haram. Et je passe l'insécurité endémique dans les régions de l'Adamawa et de l'Est et des débordements de la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, dans les régions francophones de l'Ouest et du littoral. Quelle unité fêteront-on le 20 mai prochain? Moi-même, je n'en sais pas. Chers compatriotes, j'ai découvert à travers les médias que M. Biya serait devenu un adepte des réseaux sociaux et écrirait force tweet au peuple camerounais pour en appeler à son patriotisme. Je sais que vous êtes nombreux à vous interroger de cet élan subi d'un homme qui a fondé son pouvoir sur le mépris des Camerounais, l'indifférence et leurs problèmes, et un intérêt choquant pour les merveilles de son pays où il n'a jamais passé ses vacances, préférant l'hôtel continental à Genève et les douceurs des bords du lac Léman. J'aimerais tant l'amener découvrir l'incomparable beauté de Rumsiki et son pic célèbre de Poli et ses plaines paisibles bouclées par un collier de montagnes, des plateaux de l'Adamawa ou des troupeaux d'eau douce. Hein? Pèse paisiblement dans la langue, autant pour moi, excusez-moi, de la douceur des hauteurs du nord-ouest qui rappelle celle suisse qu'il aime tant, de la majesté de la forêt primaire de Corotte et ses 13 espèces ornithologiques endémiques, de la ferry des Rio del Rey à l'heure où les cormorans s'envole le long de ces boulevards marins dont les eaux emportent
les miasmes du pays vers l'infini de la mer. Mesdames et messieurs, connaît-il Bimbia, lieu de mémoire de la tragédie primordiale? J'aurais bien voulu l'amener à tant d'autres lieux de ce pays qu'il connaît manifestement mal. Pour m'avoir visité en 37 ans, et pour n'avoir visité en 37 ans que moins de 10 départements sur les 58 que comptait le Cameroun. Chers compatriotes, il ne peut y avoir de patriotisme sans attachement à la fois au socle territorial de la patrie et aux populations qui peuplent le Cameroun, qui peuplent le pays. À cet égard, il m'est particulièrement pénible de constater que M. Bia n'a jamais mis les pieds dans les deux parcelles emblématiques du territoire national arraché de haute lutte après 8 ans et demi de procédure devant la Cour internationale de justice, en abrégé CIJ, de l'arrêt d'environ 9 ans et environ 9 ans de mise en œuvre laborieuse de la décision au fond de cette haute juridiction mondiale. Je veux parler de la zone du lac Tchad d'environ 1000 km² où se trouve la grande île de Darak et de la péninsule de Bakassi, la plus connue, et qui couvre environ 1000 km également. En ce qui concerne les populations camerounaises, M. Biapol a mis une telle distance entre lui et les Camerounais de toutes les régions qu'on se demande quel peuple il prétend gouverner. Il est avéré aujourd'hui que l'idée d'intégration nationale qu'il lança furtivement au début de son long règne, avant de l'abandonner tout aussi rapidement, n'était qu'un de ses multiples leurres. De fait, mesdames et messieurs, il a fondé son pouvoir sur la division des Camerounais et le tribalisme orchestré et entretenu. Non seulement il n'a jamais fustigé officiellement et de façon non équivoque le fléau qui menace dangereusement l'avenir de notre pays, il n'a jamais non plus désavoué les membres de ses gouvernements successifs qui ont tenu à diverses occasions des discours d'un tribalisme haineux. Oui, ni fait passer une législation tendant à réprimer un tel fléau, alors que son parti détient une majorité écrasante au Parlement depuis près de 40 ans. Mesdames et messieurs, chers camarades, le recours soudain de Biapol au patriotisme des Camerounais est une tentative désespérée d'un régime en perdition qui tente de rejeter ses échecs sur les partenaires extérieurs de notre pays. Nationalisme étrigué, raciste et xénophobe, voilà où l'on veut nous amener. Nous, peuple ouvert et accueillant, c'est une vieille ficelle des dictatures en déroute que de chauffer le sentiment nationaliste. Mais le patriotisme n'est et ne saurait être ni un racisme ni une xénophobie. C'est le sentiment indéchiffrable et le lieu indivisible qui unissent dans la tension vers un même idéal les membres d'une communauté nationale. Il repose sur un attachement vécu et assumé à son pays et l'amour des femmes et des hommes qui y vivent, dans un vivre ensemble, fondé sur la tolérance et nourri par des références de valeurs communes. J'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas s'engager en politique si l'on n'aime pas les gens. Là, je reconnais le professeur Maurice Kamto. Mesdames et messieurs, chers camarades, mon entrée en politique était et demeure habitée par trois ambitions primordiales. Écoutez, rassembler les Camerounais dans la fraternité républicaine, mettre un sourire sur le visage des pauvres Camerounais et à la faveur d'un développement et d'une prospérité partagée, faire du Cameroun une grande nation, une puissance africaine, un pays
et qui compte dans le concert des nations. Rien ni personne ne pourra enlever à moi l'amour profond que je porte pour ma nation, que je porte pour vous, les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nul ne pourra m'empêcher de vous aimer, de cet amour fraternel qui brûle en moi depuis toujours. Un amour pétri dans la fraternité républicaine qui se situe au-delà des liens de sang et de connivence ethnique. Et dont ceux dont les chemins, des chemins ont croisé le mien peuvent rendre témoignage. Que cette douce flamme embrasse chacun de vous et consume les haines absurdes entretenues afin qu'ensemble nous nous tournions vers notre projet national, celui de relever les défis multiples de la modernité et du monde nouveau qui interpelle notre jeunesse. Je demeure convaincu que nous arrivons un jour, pas très lointain, à vivre dans la concorde, dans notre patrie commune, le Cameroun organisé dans la ferme que nous aurons choisi ensemble par une volonté commune. La communauté internationale a bon dos. Avec l'OMRC, ces années et moi-même, elle est devenue le bouc émissaire commode d'un régime qui règne des échecs recommencés. Mais le risque de dislocation de l'État, la crise du vivre ensemble, l'aggravation des inégalités et les injustices se traduisent par l'amplification de la fracture sociale, la zombification des populations, en particulier des jeunes, avec la perte de leur amour propre. Le sentiment d'exclusion et d'absence de perspective qui les amène à ne plus rêver de l'immigration à tous les prix. L'exclusion de la diaspora traquée comme un ennemi, la stagnation du revenu des habitants bloqué à 1300 dollars, autant pour moi, depuis plus d'un quart de siècle, l'endettement galopant, l'espérance de vie à 55 ans, le taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés en Afrique, la gestion budgétaire inefficiente caractérisée par les dépenses improductives, les enfants qui meurent en cherchant de l'eau potable, l'indisponibilité de l'électricité pour le plus grand nombre, l'augmentation du nombre de pauvres, le taux d'agression sexuelle parmi les plus élevés du monde entier, les performances exceptionnelles du pays en matière de corruption qui place le Cameroun dans le peloton. Excusez-moi, mon discours disparaît dans les tablettes ici, là, ça me fait rire. Un instant. Vous repartagez encore le live, mesdames et messieurs, chers camarades. Vous repartagez, nous sommes à présent 400 seulement. Le régime hostise s'enferme dans le délit d'un complot imaginaire planétaire contre notre pays. Croyez-moi, la communauté internationale a pour mission fondamentale d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. À cet égard, elle a bien trop de choses à faire que de rechercher à déstabiliser le Cameroun. Alors qu'elle peine à venir à bout de crises congolaises et centrafricaines pour s'en tenir à l'Afrique centrale, l'histoire nous ouvre les perspectives nouvelles et la communauté internationale nous tend une main secourante. Restez plus que jamais mobilisés, car rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Nous devons continuer à affirmer pacifiquement notre présence sur la scène politique
tant il est vrai que nous constituons aujourd'hui la force alternative en laquelle une majorité, une grande majorité de Camerounais place ses espoirs pour un avenir meilleur. Restons soudés et résistons à la corruption politique et au chantage multiforme du régime en place. Travaillons à refonder notre État, à préserver son unité dans sa riche diversité en combattant le tribalisme à tous les facteurs et divisions. Et tous les facteurs de division, autant pour moi. Continuons à nous battre pour une réforme consensuelle du système électoral, gage d'un jeu démocratique apaisé, garant de l'adhésion populaire au pouvoir. Mesdames et messieurs, chers Camerounais, les épreuves actuelles qu'affrontent de nombreux militants et sympathisants embastillés, nos alliés et moi-même, repoussent le moment des noces de notre cher pays avec la liberté, la justice et le progrès partagé. Mais elles ne font que différer ce moment que je vous ai annoncé pendant la campagne de la présidence 2018 et qui ne cesse de s'imposer à moi comme une certitude. Cependant, nous n'y arriverons qu'ensemble et par notre détermination. Ce n'est pas le combat d'un individu, ni d'un parti politique, ni d'une ethnie, ni d'une région, ni même des anglophones, ni des francophones. C'est la lutte commune d'un peuple contre l'enténébrement de son pays. Les étapes à venir seront décisives. À travers vos nombreux messages qui me parviennent, je sais que vous vous inquiétez pour moi, pour nous. Je vous en sais gré, mais inquiétez-vous davantage encore pour le Cameroun dont les multiples blessures font craindre le pire. Aucun sacrifice ne nous sera épargné pour le salut de ce pays qui nous est si cher. Vous avez déjà accompli des pas importants sur le chemin escarpé qui s'ouvre devant nous, mesdames et messieurs, chers camarades. Mais vous ne devez pas relâcher vos efforts qui seront sollicités encore et encore. Car, comme je vous l'ai déjà dit, notre liberté viendra de nous-mêmes et de personne d'autre. On peut vous accompagner, mais personne ne substituera à vous. Personne ne se substituera à vous, au peuple camerounais. Je compte sur vous pour qu'ensemble, sans faux fuyant, nous donnions une chance à la jeunesse camerounaise et par la suite à notre pays. Avec ma fraternité républicaine, depuis la prison centrale de Yaoundé, le 28 avril 2019, le professeur Maurice Kamto, et j'ajoute son excellence le professeur Maurice Kamto, président légitime, président démocratique, le président élu du peuple camerounais. J'espère que vous avez suivi le discours avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il me semblait que beaucoup n'avaient pas lu. J'ai pensé qu'ensemble, en live, avec l'attention que mes abonnés m'accordent, on devait une fois de plus scruter le discours du professeur Maurice Kamto. Pour ceux qui n'ont pas compris les tenants et les aboutissants de ce discours, pour ceux qui n'ont pas compris le fond, la forme de ce discours, je vous propose de faire un live, une vidéoconférence spéciale pour vous expliquer et vous dégager tous les enjeux et tout le message qui est à l'intérieur de ce discours. Mesdames et messieurs, c'était Martin Tajou. Merci pour tous ceux qui m'ont fait confiance de suivre ce discours jusqu'à la fin. C'était un discours de 11 pages
Lorsque je l'ai lu de façon articulée et très lentement, vous voyez qu'on a lu en 35 minutes. Apprenons à lire et à comprendre. Quand je l'ai lu moi seul, j'avais besoin de 50 secondes à 1 minute par page. Donc en fait, à moins de 5 ou 6 minutes, j'ai lu les 11 pages. Ça veut dire que si un Camerounais prend un livre de 220 pages, il veut lire, vous avez besoin de moins d'une heure de temps, vous allez finir. Il suffit juste d'avoir la conviction et la passion de lire. Mesdames et messieurs, chers Camerounais, j'offre tout l'amour possible à ce professeur. Je regrette aujourd'hui de ne pas être du MRC, mais en même temps, je suis fier de porter ma casquette de société civile, de leader d'opinion, d'exercer ma libre pensée pour soutenir ceux qui sont dans la légitimité, dans un combat noble. On ne lâchera jamais le professeur Maurice Kamto. La bataille du pouvoir, c'est parce qu'on ne veut pas le voir, on ne veut pas reconnaître sa victoire. Mais ils ne vont pas réussir. Chers Camerounais, je vous adore, je vous aime. On était ensemble, passez un bon vendredi et passez également un bon week-end. Restez très vigilants sur ma page pour des révélations fracassantes, pour des hostilités et chaque moment lorsque j'annonce pour apporter l'information et après faire l'information à la désinformation du pouvoir dictatorial ultra et hyper centralisé de Yaoundé. En 36 ans, ils ont régné par le mépris, par la condescendance, par l'inaptitude, par l'inertie, par l'intimidation, la violence, la répression et l'ostracisation. Nous disons non. Ils ne gouverneront pas par procuration et par des décrets. Nous allons intercepter, intercaler et refuser systématiquement. Et on le dit non à la passation de pouvoir de gré à gré. Ferdinand Gongo, zéro. Vous allez rentrer à l'école. Vous allez rentrer faire des programmes politiques. Et en 2025 ou en 2032, je ne sais pas, poser votre candidature. Si le peuple camerounais peut vous choisir comme ils ont choisi le professeur Maurice Kamto, ils vont vous choisir. Mesdames et messieurs, je vous adore. Ciao, ciao. Ciao. Partagez après. Repartagez ça. Repartagez ce discours. Pour que ceux qui ne lisent pas, au moins peuvent s'asseoir en préparant à la cuisine. Peut-être en faisant la vaisselle, en faisant la lessive, en faisant autre chose, mettre à côté pour écouter. Merci. On était ensemble.